Ah, il y a un combat qui se fait skipper très vite. Ouais. Avec un décalage son encore. Ah ouais, mais non, il n'y a pas de décalage son, que tu racontes. C'est dans ta tête, tout ça, Valence. Ouais, c'est dans ta tête, le décalage. Valence. Valence. Vas-y, Valence. Arrête. Ok, j'arrête de faire l'intro. Bon, ça changera pas d'habitude. Bon bah écoutez, insérez intro ici. Voilà, vous avez eu votre intro, les viewers, machin. Incroyable. En vrai, faudrait trouver un sujet de conversation qui nous tiendra plusieurs épisodes. Les pâtisseries. Ah ouais, non, là je viens de regarder une bordel de boulangerie là, slash pâtisserie. Qui s'appelle l'artisan délice sans gluten et sans lactose qui se trouve à Montréal. Et puis je me suis donné vachement faim et j'ai donné vachement faim à Emel aussi. Du coup c'est plein de belles petites pâtisseries sans gluten et sans lactose. Attendez, ça veut dire qu'on fait leur pub dans ma vidéo là. Oh. Bah sachant que c'est probablement principalement de la communauté française qui va regarder, je pense pas qu'ils vont venir à Montréal pour aller acheter ça. Hein. Oh, les gens sont fous. Ouais, effectivement, surtout en ce temps... Allez, surtout dans ce temps-ci où les gens n'arrêtent pas de sortir en permanence. Ouais, et d'aller voyager dans tous les autres pays. Hein. Ouais. Et d'organiser des fêtes exprès. Ouais. Ah, wait, il faut vraiment ça. Oui. Bah, même moi, je sors presque tous les jours pour aller à l'école. Hein. Ouais, mais là, tu vois, c'est un peu différent. Ouais. T'es un petit peu obligé, c'est un petit peu encadré. J'aimerais que l'encadrement soit correct. Alors, j'ai dit encadré, j'ai pas dit bien encadré. Oui. Ah ouais, d'ailleurs, au dernier épisode, on a acheté le Magikarp. Ouais. Du coup, essaie de deviner en commentaire... quand est-ce qu'il évoluera... Quand il évoluera en Léviator, quand est-ce qu'il deviendra super fort? Vous allez être surpris. Moi aussi. Oh, le premier membre de la Team Rocket qu'on rencontre. Que pensons-nous de la Team Rocket? Là, c'est... Si le personnage était Shuka, et qu'il voyait le membre de la Team Rocket avec un fouet, il serait là en mode oh, vas-y, fouette-moi, grand fou. Hein? Ok. C'est Shuka, non, c'est Shuka, faut Team Rocket. Personnellement, Team Rocket, c'est Team Rocket, y'a pas grand chose à dire, mis à part que. Ils ont pris un nom de salade. Moi, je suis plus Team Laitue en fait. La Rocket, je sais pas. Ouais, bah tu sais, écoute Shuka, on est bien obligé de trouver quelque chose à dire. Hein. Ouais, moi je suis plus. J'aurais trop envie de manger une salade de pommes de terre. Hein. Oh! Mais tu sais que t'es pas con. Vous savez, je l'ai jamais mangé. T'as jamais mangé une salade de pommes de terre, mais. Sérieusement? Je suis certain que tu vas adorer, faites-en une. T'as jamais mangé de salade de pommes de terre? Quand je cuisinais pas en fait, j'aimais. Il y avait beaucoup de trucs que j'aimais pas. Parce que simplement ma mère les faisait mal. Et du coup, il y a plein de trucs que je n'ai soit jamais goûté, soit que j'ai goûté et que je n'ai pas aimé. Et que maintenant, à force de cuisiner plus, je teste des trucs. Mais tout ce qui est salade, j'ai pas encore vraiment beaucoup essayé, à part les salades de pâtes. Ça me parle beaucoup, ça. Ah, les salades de pommes de terre, c'est très très bon. Hein. Moi, je sais que dernièrement, la dernière salade que j'ai faite, c'est une salade de riz. Et dans ma salade de riz, j'ai mis des tomates. Du maïs, des œufs durs et du thon. Très très bon. Comment est-ce que tu fais pour faire une salade de riz qui est pas genre sec à mort après? Bah tu mets de la sauce. Ouais, de la sauce. Ouais, ça c'est ok. J'avais pas pensé à ce genre de choses, de ce détail, genre de mettre de la sauce. Ah bah ouais, si, je mets toujours de la sauce dans mes salades. Là j'ai fait une sauce vinaigrette. Perso, je suis belge donc c'est de la mayo. Mayo? Putain! Ah mais c'est belge, en tant que belge, tu mets de la mayo dans tout en fait. En vrai, mayo riz, tout dépendant de la mayo que tu mets, ce que tu mélanges avec, c'est bon. Hein. Par exemple, un truc, je sais bien que les gens ne le font pas trop, ils étaient un peu hein, que moi je fais ça, c'est les concombres.
concombre mayo, ça passerait bien. Ah, c'est délicieux, ouais, concombre mayo. Bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Alors, moi, ce que je fais avec ma mayo, quand je la mets avec du riz, c'est je... Je mets 2-3 litres de sriracha. Je mets un petit peu de curcuma et un petit peu de paprika. Ah, nous, c'était souvent poivre de cayenne qu'on mettait. Ah, j'en ai pas. Ah oui, sinon les Pokémon, bah, pas plus j'ai appris pour poudre de dos, voilà. Trop bien. En fait, épisode 3, on commence déjà à parler de bouffe. C'est ça. Ah, mais de toute façon, moi, dès que je suis dans une conversation... Ça tourne de bouffe. Ouais. Épisode 5, ça parlera d'animé. Bah non. Peut-être, hein. Peut-être. Je sais pas. On peut parler de Food Wars, si vous voulez. T'étais en train de regarder Food Wars ? Ah non. Ah d'accord. J'ai arrêté. Moi j'ai même pas fini le manga tellement ça a commencé à me saouler en fait. Perso ça m'intéresse pas. Mais y'a rien qui t'intéresse. Meilleur animé de cuisine et c'était Kai Shokudo, je m'en fous. Bah vois-tu, c'est d'ailleurs un des débats que j'ai eu pendant un stream de... Je sais plus que je pense, c'est pendant un stream de ML. C'est justement pourquoi est-ce que les shonen c'est de la merde pour la cuisine. Alors que t'as des animés comme Isekai Shokudo ou Izakaya Nobu, qui sont juste largement mieux parce que c'est... Pour de la bouffe, tu peux pas partir dans du shonen, ça détruit tout. Tout le temps, ouais. Ouais, la bouffe, c'est supposé chill. Faut que tu regardes des gens bouffer ou cuisiner, et c'est... Mouah. Yep. Après, j'ai moins apprécié Isekaya Nobu. Sauf un petit peu le truc, ça je me dis que j'ai envie d'essayer. C'est les sortes de haricots salés qu'ils mangeaient, je sais pas ce que c'était, des petits pois salés. Des edamame. Ça, j'ai envie de goûter, du coup, je vais vous dire. Et pas des edamame, hein, comme disent beaucoup de Québécois qui ne savent pas lire. Bah, le E à la fin, ça se dit E. Bon, bah, on peut franciser tout, si vous voulez. Hamburger. Non, hamburger. En ah, bourgeois. Oui. En burger. Burger. Non mais franchement, on s'entend dire des conneries là. Oui. Malheureusement, oui. Et moi, je vais devoir vous écouter après pour pouvoir faire de, enfin pour juste cut les petits bruits dégueulasses qui vont être en vocal. Et puis voilà. Ah, voilà, on aime bien. En plus, on est record, donc il y a des preuves de tout ce qu'on avance ici. Et merde. Et je vais ressortir des dossiers. Ouh. Genre Valence est un... C'est un jambon cru. Ah my god ouais. Et on va ressortir ça, on va le mettre sur Twitter, on va créer des dramas et mettre trait de Valence de jambon cru. Oh putain, c'est pas très halal tout ça, voilà. Oh. J'ai trouvé de l'huile sur une roche. Aïe. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah, je viens de tilter, ok. Waouh. Ah, voilà. J'ai jamais aimé cette grotte. Bah, personne ne l'aime, je pense. En fait, en général, j'ai jamais aimé les grottes dans Pokémon. Oui. C'est ce que j'allais dire, en fait, je pense qu'il y a personne qui aime les grottes dans Pokémon. Non, c'est que des chauves-souris, enfin des... des Nosferapti et des racailloux, tout le temps. Et des... comment ils s'appellent, les paras, là. Oh là là. Je crois que les paras, t'en rencontres pas beaucoup. Ouais, il est assez rare, ce Pokémon. Ouais. T'as Melofé aussi, le roman dans cette grotte. Ah ouais, mais je suis chiant de trouver, celle-là. Ouais, 5%, je pense. C'est comme Rondoudou, hein. On a dit une Nosferapti et moi je suis traumatisé parce que Nico il m'a volé ma blague dans Tale of Graces F. Ah, qui s'est passé? Bah dans Tale of Graces F, il y a une grotte où est-ce qu'il y a plein de chauves-souris. Et du coup, pendant 3 ans, j'ai voulu faire la blague. Ah ouais, mais c'est comme dans Pokémon, il y a plein de Nosferapti ici. Et puis Nico, bah il m'a volé ma blague avant que je la fasse. Après 3 ans qu'il attend. Ouais. Cette tristesse. C'est pour ça que Nico il est plus sur Tale of Graces F, parce qu'il m'a volé ma blague. À ce moment-là, Tachoka, c'est dans sa tête, ça a fait Hello Darkness, my old friend. Traumatisé à vie.
Tiens, pourquoi j'ai une résistance sur mon bureau? Peut-être parce que tu veux être électricien. Ouais, c'est le cours d'électronique dont j'ai été traumatisé. C'est une 100 ohms. Ah, Pep, il... level 17. Il carry la team. En vrai, oui. Parce que Pikachu, il fait que dalle. Je déteste Pikachu. Il sert à rien, ce Pokémon. Arrête de t'énerver. Mais il sert à rien. Mais ça sert à rien de s'énerver. Ok, c'est vrai. Je vais calmement dire que Pikachu, c'est une grosse merde et que je ne veux plus jamais en revoir un dans mon équilibre. En fait, voilà. Onyx, là, on dirait un fer à cheval que tu lancerais sur le jeu où tu dois l'accrocher autour d'un piquet. Oui. Trop bien. Terrible. Les sprites de la première génération, ils sont vraiment dégueux. Hein. À votre avis, c'était une barbe ou un bandeau qu'il avait? C'était une barbe. Oui, c'est une barbe, oui. C'est un montagnard. Quoi, t'es en train de dire que tous les montagnards ont des barbes? Oui. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Les petits gamins ne s'occupent pas des affaires des grands. Oui, laisse-le faire. Il a le droit. Non? Bah, non. Techniquement, là, le membre de Team Rocket, c'est le petit gamin qui s'occupe pas de s'affaire des grands. Bah, il a raison. Bah, en vrai, on essaie même pas de s'occuper de leurs problèmes, là, et de tout ce qu'ils font, en fait. C'est eux qui arrivent et qui nous regardent et qui font... Ouais, le bouche! Tu me fais chier, là! Ouais. C'est ça. Moi, je passerai mon chemin, hein, solidement, hein. J'en ai rien à foutre de ce que la Team Rocket fait. Ah oui, moi, ça m'intéresse pas non plus, hein. Ce ne sont pas mes affaires. Là, ils font quoi, là, en ce moment, dans ces grottes? Ils font rien. Ils essayaient pas de voler le mec avec les fossiles, logiquement. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont pas le voir? Ils servent à rien. Wow, bah c'est toute la team. C'est vrai. Surtout la Team Rocket dans la génération 2. Ils servent tellement à rien. Team Rocket de la génération 2, je m'en souviens plus. Ils font rien. À un moment, ils font... Oh Giovanni, pourquoi tu nous as abandonnés? On va aller prendre en otage la station radio et on va diffuser sur toutes les radios du monde. Giovanni, Giovanni, reviens! No joke, c'est vraiment ça. Y'avait pas une histoire avec le Léviator Shiny aussi? Oui, c'est eux qui l'ont fait devenir Shiny, je crois. Je sais pas, je me suis pas rendu jusque-là dans la génération 2. Valens peut confirmer. Quoi? Mais t'as fait quoi dans la génération 2? Bah dans la génération 2, moi je jouais en anglais, je savais pas lire l'anglais à l'époque, donc du coup, je comprenais pas le scénario. Et récemment, j'ai voulu refaire un playthrough sur Pokémon Crystal, et en fait j'ai réalisé que les Pokémon électriques, dans la version Crystal, bah ils apprennent pas d'attaque électrique. Et les Pokémon Feu n'apprennent pas d'attaque Feu. Et les Pokémon Eau n'apprennent pas d'attaque Eau. À part Surf. C'est ça. Alors, du coup, j'avais une team de bras cassés, qui servait à rien. Parce que j'avais pris Germignon au début du jeu. Ce qui fait qu'en fait, j'ai remarqué ça de plus en plus, c'est que dans la 2G, t'es quasiment obligé de prendre la même équipe en permanence si tu veux avoir un truc efficace. Ce qui est Hérissandre, au Carnage, à la Kazam slash Spectrum, enfin donc Kadabra Spectrum ça marche, Match Chopper ça marche. Et c'est tout en fait. Et Léviator, oui. Ah, parce qu'ils font un bon Pokémon Eau, hein. Et tu fais... Et tu gardes toujours la même équipe, en fait. En vrai, Pokémon Génération 2 doit être tellement plus fun en Randomizer ou en 4ème génération. C'est-à-dire le remake. Et je viens probablement de cracher sur l'enfance de beaucoup de gens en trash-talkant la Génération 2. Notamment celle de ML. Ouais... Mais bon, après, je t'en veux pas. Non. Ah là là. Team Rocket plus rapide que la lumière. Ouais, bon, ça leur a quand même pris 3 secondes de venir jusqu'à moi. Oui, ils sont pas si rapides que ça. Non. Et ils ont une team de bras cassés. Hein. Le plus impressionnant là-dedans, c'est que Miaou se bat.
Logiquement, Mius, il en prend jamais une. C'est vrai. À part dire des conneries. Bah, en vrai, il est prêt à parler, hein. Oui, c'est vrai que pour le coup, c'est pas le dernier des feignants, hein. Mais en vrai, je pense que je voudrais jamais que mon chat apprenne à parler, hein. Parce que s'il fait miaou miaou, ça va. Mais s'il faisait « Connard, donne-moi de la bouffe! Connard, donne-moi de la bouffe! Ah, oh, j'ai faim! Oh, putain !» T'imagines ça? Ce serait n'importe quoi. Quel combat. C'est tellement passionnant, les combats Pokémon. Ça. Ah ouais. Le combat fatidique Mio versus Pikachu. Ah, Pikachu a gagné. Étonnant. Ouais. Waouh. Ah, ils finissent même pas avec Meowth. Ah bah non. Je suis même pas sûr que... dans la génération 2, voire même la 3, il y a Meowth qui dit Meowth, hein. Non. On dit rien en tout cas. À tout ce à quoi ça me fait penser, c'est que j'ai envie de rejoindre Pokémon Colosseum ou alors faire une fois ce que j'ai jamais fait XD. Oui, alors, t'aurais dû terminer d'abord Pokémon Jaune. Pourquoi on est là, hein. Ouais, effectivement. Hein, t'aurais pu le faire en playthrough tout seul en live. Mais non, là, on est obligé de faire du post-commentary sur Pokémon Jaune avec toi pour que tu le fasses, pour que ML puisse faire Pokémon Soleil, record par mois. Merci, Valence.